Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, et oui déjà, avec le fameux Papa Noël. En tout cas, merci pour tous vos messages, vos encouragements, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je compte sur vous pour en parler encore, hein, parce que Noël n'est pas fini, loin de là, on est même qu'au tout début. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Au revoir. Pour ce Nayart, on va commencer avec la couleur Marshmallow, vous la connaissez, c'est un très beau rouge de chez Montecito. Je vais tout simplement faire le haut et le bas, vous voyez, comme ça, il n'y a pas forcément de dimension à respecter, hein. Je fais un petit peu en freestyle. Une fois que ça me plaît, je catalyse et je vais la prendre la couleur Nut ou Nude. Vous la connaissez aussi, cette couleur, c'est vraiment une couleur chair de chez Montecito, on en trouve rarement des couleurs chères comme ça. Et je viens tout simplement faire le visage de mon Père Noël. Puis je reprends la couleur Marshmallow pour faire le petit nez que je catalyse. Et là, je mélange un petit peu de blanc et de Marshmallow pour avoir une couleur un peu plus claire et pour donner, comme vous le savez, du relief au nez. Donc je fais toute la partie droite. Voilà, je fais vraiment des va-et-vient. J'essaie de dégrader un petit peu avec le rouge Marshmallow un peu plus foncé. Une fois que ça me plaît, je catalyse. Puis après, je vais mélanger avec un petit peu de noir. Donc là, j'ai pris du gel paint. Donc c'est un gel paint noir, un classique, et je viens tout simplement faire l'autre côté, donc le côté gauche, en un peu plus foncé, tout en dégradé. Je vais faire mes petits yeux en noir, donc ça c'est pareil, bien compliqué, hein, on fait les yeux noirs. Faites les plus ovales que ronds, c'est plus joli sur les cartoons comme ça. Je vais faire la bouche, là c'est pareil, faites juste un trait noir, hein, y a rien de précis pour l'instant, vu que ça va être couvert en blanc. Je mélange mon marshmallow, donc ma couleur rouge, avec un petit peu de finition brillante. Ça, vous le savez, je vous l'avais déjà dit, pour tout simplement donner un petit peu d'ombrage pour mes petits joues rouges du Père Noël. Une fois que ça me plaît, je catalyse et après je prends mon gel paint blanc, donc pareil de chez Montecito, hein, je ne le présente plus maintenant. Et je viens faire donc le haut du bonnet, le côté des oreilles, la barbe du Père Noël. C'est pareil, je fais vraiment des va-et-vient, je fais de faire un petit peu de style bonnet. Enfin ouais, je fais pas quelque chose de droit, tout rond, hein, ça fait pas joli, il faut vraiment avoir un petit peu de relief. Une fois que ça me plaît, je catalyse et je repasse juste un tout petit coup de noir sur ma bouche qui était un petit peu recouvert avec le blanc pour vraiment que ce soit bien bien dessiné. Je passe après à mon nez, donc c'est pareil, c'est toujours avec le gel paint noir, donc c'est le Jet Black hein, de chez Montecito. Et je repasse tout autour de mon nez pour vraiment lui donner encore un peu plus de relief. Et je reprends mon gel blanc, donc c'est le meringue, pour tout simplement faire un petit trait sur le bout du nez, enfin sur le haut du nez et à l'intérieur de mes yeux du Père Noël. Je catalyse et après je passe à mes sourcils, donc bah là c'est pareil, je prends tout simplement mon gel paint blanc pour lui faire de beaux sourcils à mon Papa Noël. Donc essayez de faire un côté plus haut, ça je vous l'ai déjà dit. Hein. On catalyse et après je passe ma finition brillante cette fois-ci. Je vais repasser avec mon liner et mon gel paint blanc partout où je suis passée, donc là où il y a la barbe, hein, là où il y a les endroits de blanc, sauf les sourcils et l'intérieur du nez bien sûr. Je viens mettre en abondance de la résine blanche, je vous avais déjà donné cette astuce, c'est pour donner beaucoup de relief, c'est-à-dire que le gel boit cette matière-là, boit la résine. Et je viens, vous voyez, avec mon Daunting Tool donner plein d'à-coups, assez fortement, je fais des va-et-vient, je vous laisse regarder un peu en vidéo comment ça se passe. Hein. Et je viens catalyser entre chaque couche, vous voyez, là j'ai repassé un coup, je viens catalyser, et en fait, essayez pas de faire quelque chose de lisse dès le début, c'est en fait au fur et à mesure de la catalysation et que vous allez remettre un peu d'épaisseur de résine avec le gel paint, qui va nous donner beaucoup de relief comme ça. Vous voyez, tout de suite, le relief est là, tout de suite présent. Donc, catalysez bien 2 minutes entre chaque couche, vu que c'est quand même quelque chose en surépaisseur. Je catalyse et donc, voilà, après, brossage, le résultat. J'adore ce Père Noël, il est trop mignon et vous avez vu, c'est très simple à réaliser. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi durant cette série. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pas demain, mais très bientôt. Prenez soin de vous.